السلام عليكم ورحمة الله. Donc, détermination de la vitesse de propagation d'une onde ultrasonore dans l'air. On place un émetteur E d'onde ultrasonore à 2 et deux récepteurs R1 et R2. Comme l'indique la figure 1, l'émetteur E envoie une onde ultrasonore progressive sinusoïdale qui se propage dans l'air. Celle-ci est captée par les deux récepteurs R1 et R2. On visualise à l'oscilloscope sur la voie Y1 le signal capté par R1 et sur la voie Y2, le signal capté par R2. Donc, lorsque les deux récepteurs R1 et R2 se trouvent à la même distance de l'émetteur, et sur expérience échelle flux court, il y a un des haut-parleurs qui compte R1 termine R2. Bien entendu, même distance. Donc, on constate que les deux courbes ne restent plus en phase. Il y a qui ne reste plus en phase lorsque R2 est décalé par rapport à R1. Donc en continuant d'éloigner R2 de R1, on constate que les deux courbes se trouvent à nouveau en phase. Et pour que la quatrième fois, lorsque la distance devient égale à H, D égale 3,4 cm. Choisir la proposition juste parmi les propositions suivantes. Est-ce que vous avez choisir la Il n'y a pas de problème. Tu as les propositions. Tu veux que l'on a. Bien. Donc, les ondes ultrasonores sont des ondes électromagnétiques. Mais non, sont des ondes mécaniques. Ils ont besoin de la matière. Les ondes ultrasonores ne se propagent pas dans le vide. Vrai. Parce que ce sont des ondes mécaniques. Donc, le phénomène de diffraction ne peut pas être obtenu par les ondes ultrasonores. Non. Diffraction peut par toutes les ondes, soit mécaniques ou là, électromagnétiques. Les ondes ultrasonores se propagent dans l'air avec une vitesse égale à la célérité de la lumière. Faux. Quelle est la vitesse des ondes sonores? Les ondes sonores. 340. 40. Les ondes électromagnétiques, la lumière. 3 à la puissance 8 mètres par seconde à la chaîne, je trouve les ondes lumineuses. Bien, donc la proposition est juste, il y a B. B. Donc, la question A1. La proposition. Juste A. Déterminer la fréquence. Bien sûr, quel est le. D'après la figure, quelle figure est-ce? Deux. D'après la figure de Andy, deux, qu'est-ce que c'est? 5 divisions, oui. Chaque division, c'est la puissance de microseconde. Seconde, il y a une qu'est-ce que ça oui 5 sur la puissance moins 5 sur 2. Ça fait du moins 5 sur la puissance seconde. Donc n à quoi est égal 1 sur d. Donc il y a 1 sur 2,5 sur la puissance. Ça fait du moins 4 fois. 40 000. Heure, tiens. Oui. Est-ce que cette valeur est logique? Très bien. On a une onde ultrasonore. Zi. Donc automatiquement, on gagne à V. Est-ce qu'on a fait une figure? Je vais vous donner les données. Est-ce que vous voulez? Donc selon les données, je vais vous donner. On a. La distance pour la quatrième. La quatrième. Vibration en phase. Quatrième vibration en phase. Est-ce que nous avons fait D égale à K fois lambda.
Je gagne deux cours, avec un quatrième vibration en face, qu'est-ce que c'est oui? Donc D égale à 4, lambda. Donc lambda, ça c'est où il y a 3,4 fois 10 moins 2, c'est la puissance moins 2 centimètres. Le mètre sur 8,5 c'est la puissance moins 3 h mètre. Il y a la longueur d'onde. On sait que V égale lambda fois n. Il y a normalement Maxime Damil ou bien sur T, il y a lambda fois 1 sur n, mais il y a lambda fois n. Donc la série de c'est oui. Il y a 8,5, c'est la puissance moins 3 fois la fréquence, et 40 mètres. 340 mètres par. Donc, vous n'avez pas. Détermination de la vitesse de propagation d'une onde ultrasonore dans l'eau de mer. Dans l'eau de mer. Il y a une mesure de ça, V500. L'émetteur envoie l'onde ultrasonore précédente dans deux tubes. Donc, le récepteur R1, récepteur R1. Là, on dit R, là, on dit l'eau de mer. Bien, distance, il y a IA, IL. Donc, soit delta T, le retard temporel de réception de l'onde qui se propage dans l'air par rapport à celle qui se propage dans l'eau de mer. Bien sûr, il y a quelques machines plus courtes. La vitesse des ondes sonores, les matériaux différents, dépend de la densité. La densité médiane. Plus dense que l'autre. Donc, les vitesses avec nous différentes. Donc, vitesse différente, on a V égale à D, les L sur T. Puisque V, mais c'est constante, T est la même chose. Par contre, elle est là, les deux cas, les ondes sonores parcourent la même distance. Donc, en mesurant le retard delta T pour différents L, atteint le diagramme de Maya, atteint le H, delta T en fonction de L. Delta T en millisecondes, en fonction de L en mètres. Atteint une fonction linéaire. Exprimer delta T en fonction de L, V, A, V, E. Donc la question de 1, c'est un boulet. Delta T, qu'est-ce que c'est R? Premièrement, on a V. C'est bien V de l'air, L sur T de l'air. V de l'eau. On sait que VO supérieur à la densité de l'eau, la densité voilà. Donc automatiquement T de l'air, ça c'est V là. L elle est V de l'air. T de l'eau. L elle est V de l'air. TR, quoi parce que la vitesse de l'eau, quand même la vitesse de l'air, V ou T sont inversement. Ça passe. Même une vitesse binaire, T qu'est-ce qu'on. Donc automatiquement, delta T, ça tient oui. Voilà, TR moins. Automatiquement, TR, je n'ai L, V moins L sur. Donc, on va factoriser l'image. On va dire L, facteur 2. 1 sur. On va dire delta T, les bras, ouais. Bravo, je vais.
déterminé. Bon, qu'est-ce qu'il dit? Déterminé. Déterminé. Ça vous dit? D'après la figure donnée, ça dit une delta t en fonction de L. Ça dit une fonction ni. Voilà. Donc on vous dit, d'après la figure 4, d'après la figure 4, qu'est-ce qu'on a? On a delta t en fonction de L est une. Voilà, est une fonction linéaire. Après, il y a cité l'équation de là. Delta t égale à k fois L. Tel que le cachemire, le coefficient. Voilà, le coefficient directeur. T'as fait donc, elle dit expression 2, on va dire expression 1. Donc, d'après. L'expression, d'après l'expression 1 et 2, ça sera un goal. L facteur de 1 sur 2. Des comparaisons. Alors, c'est delta t, delta t. Zi, L, L. C'est ça? Et K est égal à 1 sur 2. Très bien. Donc, le coefficient directeur K égale à 1 sur V DLR moins 1 sur V DLR. Donc, grandeur là, on dit ben elle. Automatiquement, tu l'as rien dit. 1 sur V. 1 sur V, est-ce que ça oui? 1 sur V DLR moins K. Donc là, il y a un. Parfait, il y a. Tu veux dire un dîner? Il y a V DLR, est-ce que ça oui? 1 sur. Parfait, il y a. Si, 1 sur K moins K. Parfait, il y a. Tu prends l'idée là? Il y a la fournie de points. R de 0, 0. C'est elle dit. C'est comme elle dit, oui. Elle dit 0, 0, 0, 0,4. 0,4. Je vous ai dit. Il y a 2,5 sur 1,1 moins 0. Monsieur Janina, il fait un sens moins 3. Et là, tu as dit le maître, c'est bien quand? Ah, c'est bien, c'est bien. Maintenant, on a des applications. 2,08 fois 3. Hein? 2,08. 2,93. ما غلطك انت حسبت الضغط المره هذه غلطك ما عرفتش يلا عاود لي ايش طيب يقسم متر بار سكند
à peu près, ce sera à 1,1 à peu près 1,1 Et bien, cher ami, au revoir.